Ça arrive déjà pour poser cette question. Pour qui ça Venezuela souffre dans le niveau ça? Sans doute, en pile nous connaît que les États-Unis mettent en pile sanctions sur le pays Venezuela. Mais est-ce qu'on pose cette question en réalité? Mais pour qui ça sanction ça? Qui sens sanction ça a gagné sur un pays tant que Venezuela et nous connaît qui tout près les États-Unis? Ou qu'on pose cette question ça? Mais est-ce que la réponse ou abjoignez tout ou pas qu'on dit bon peut-être c'est parce que Venezuela a gagné pétrole, peut-être pétrole là servi comme une malédiction pour un pays gain? On essaie de prendre un exemple qui est bien simple. Il y a un monde qui gagne 20 millions de dollars à la caille, et il y a un monde qui est pauvre, qui n'a pas même qu'à manger. D'après vous, qui est-ce qui a dormi bien? Bon, sans doute, vous avez une réponse là. Mais dans le cas de Venezuela avec les États-Unis ou bien l'Union européenne, il est légèrement différent. Je vais l'expliquer. Parce que vous supposez qu'on est. Non seulement dans quel niveau Venezuela y est dans le moment où parlé, c'est un pays qui est pauvre sur la planète, là, et surtout, qui ça Venezuela gagne comme richesse en réalité? Et pour qui ça, toute souffrance ça, pour qui ça, toute sanction ça, depuis qu'il est commencé? Et peut-être, jusqu'à la privée. Bien, expliquons. Bonjour, bonsoir Internet, comment vous êtes? Merci encore une fois parce que vous êtes toujours abonné à la chaîne et vous cliquez un like sur la vidéo. Chaque fois, fait le fait plus. Je rappelle que Question Store est son site tout neuf, www.questionstore.com. Site ça a créé exactement pour vous. Bon, bien rapide, Venezuela, nous connaissons, c'est un pays qui est tout près de nous là, dans la région. Mais une chose qui a attiré l'attention, c'est le nombre de temps que le pays Venezuela prend pour arriver dans le niveau de aujourd'hui. Juste pour une idée, c'est un des pays côté moun pratiquement pas payé courant. Gouvernement est tellement qu'on aide moun dans question bay kay. Donc son pays qui moun te tellement ap vive à l'aise à tel point, nous te gen pile haïtien qui t'a étudié au Venezuela et surtout Venezuela te gagné un bon rapport avec Haïti parce que nous connaît l'histoire, racontez-nous tout qui ça Haïti fait pour Venezuela et qui reconnaissance yo gagné tout. Mais une bagaille tout pour nous souligner, c'est que Venezuela extrêmement pauvre dans le moment à parler. L'aime de pauvreté, population pas qu'à manger, l'hôpital pas qu'à fonctionner, pas de l'eau et parfois même électricité ou pas gagné. Il pas prétendre pour y arriver dans niveau ça. Un moment pays a tombé bien fort comme ça. Mais est-ce qu'on connaît Venezuela? C'est le pays qui a premier réserve de pétrole dans le monde. Ça veut dire que c'est le pays qui a plus de pétrole en bas terre. Et nous connaissons l'importance du pétrole dans l'économie mondiale. Presque tout ça n'a fait, c'est pétrole. Machine, tout ça n'a utilisé même courant pétrole qui produit. Mais, qu'il y a qui sens lié, un pays qui a plus de réserve de pétrole, ça, et puis pour la souffrir dans le niveau ça. Ou même, c'est sûr que ces questions ça ou à poser tout bon. Pour qui ça, pays a rané qui tombe vendre pétrole lié et puis vous ba mignon manger. Bon, bien avant de répondre à la question ça, vous avez une bagaille que vous connaissez. En pile dans pays qui gagne gros réserve pétrole, vous souffrez de yon bagaille. C'est que vous gagne yon économie qui pa gagne en pile levier. Économie yon repose seulement sous pétrole. Et pétrole, c'est un produit qui passe stable. Parce que le cas monté, il a descendu. On imagine que le prix pétrole a chuté. S'il chutait de 50%, donc si l'économie pays ça, ou bien budget pays ça, l'été reposé seulement sous question exportation pétrole, automatiquement, budget pays a l'ivine réduit proportionnellement. Est-ce que vous comprenez la logique là? Mais qu'on y a ça pour aujourd'hui. Ça qui est triste, c'est parce que Venezuela, malgré gros réserves de pétrole, ça a ligé, ligé un ensemble de sanctions qui a tout pisil. Quand il y a sanctions, ils viennent faire ça. Ils viennent faire Venezuela qui a propre pétrole, ils ont interdit un ensemble de pays pour ne pas acheter dans le Venezuela. Maintenant, on imagine que vous avez propre marchandise et puis pas de personne qui pourra acheter le nom. Ça qui a passé, marchandise ça, l'a prêté dans un moment, l'a gâté dans le monde. Mais quand il y a un autre cas qui est possible, c'était permettre que, à l'intérieur de pays, que tout le monde consomme pétrole Venezuela, pour que ça tape rentre tout pour l'économie. Mais le pire, c'est que même entreprise qui t'a aidé à exploiter pétrole, ça a interdit pour ne pas exploiter encore. Mais, bon, l'autre nuance qui est dans la question,
c'est que Venezuela avec les États-Unis était tellement pas contact Figaro, Venezuela lui-même pas raffiné pétrolier, li exploité li prend de manière brute et puis yo al raffiné dans l'autre gros compagnie États-Unis. Bon, parce que c'était deux frères, c'était ménage, j'étais vraiment on l'un mouyo une pour l'autre, pas de grave problème. Maintenant, les États-Unis lui-même t'es joué ensemble davantage parce que il était gros priorité comme acheteur, c'est lui principalement t'es qu'on acheter pétrole Venezuela avec un avantage que la bien plus bon prix. Mais les Hugo Chavez vient lui-même frapper l'estomac, lui dit moi-même pas d'accord ça. Hugo Chavez décide de nationaliser toute compagnie. Américain non, ça va passer comme ça. Si nous t'a fonctionné bien propre là ou même vous voulez changer camp pour aller de l'autre côté, non, nous même tout n'a montré qui ça ne pèse. Et c'est exactement ça qui arrive Venezuela. Venezuela a payé yon action que Hugo Chavez posé que les États-Unis yo même yo campé yo dit yo pas d'accord. Et c'est là sanction yo commencé vini. Sanction yo vini. D'abord, yo commencé par geler un ensemble de fonds même gouvernement Venezuela te gagné dans l'autre pays. Sans côté toute autorité yo, yo commencé par mettre sanctions sur yo. Chavez lui-même comme on est qui assez brave et qui tout pas de jambe baisser les bras. Mais ça qui est triste, c'est parce que Chavez vient mourir. Mourir Chavez vient mourir kounya, li vient rapidement parce que Maduro était ensemble avec Chavez, Maduro prend pouvoir. Mais persécution américaine n'a pas campé là. Yo continue juste y'a tacler talon Maduro. Mais Maduro lui-même qui voulait suivre trace Hugo Chavez à la lettre, il n'est pas d'accord avec les États-Unis et lui-même lui toujours dirigé vers des pays comme la Russie, l'Iran, la Chine, Cuba. Et nous connaissons les pays qui ne sont pas amis les États-Unis parce que les pays qui ont mené une politique que les États-Unis, eux-mêmes, ils disent pas d'accord. Quand il y a sanctions sur le pays, Venezuela a augmenté. Venezuela vient arriver dans un niveau que l'Ivine tellement pas gain comme parce que prix pétrole là tellement chuté qu'on y a économie a tout de suite prend un gros coup. C'est comme si moi t'ai bon produit t'ai qu'on vend $100 et tout ça m'était qu'on fait c'était sous compte produit ça et produit ça prix il vient tomber à $4. Réfléchis bien pour elle. Dans tout ça m'était qu'on fait dans toute programmation que m'était gagné qui vient réduire plus que $96 sorti dans ça m'était qu'on recevoir. Mais malgré ça, une bagarre qui t'a très très intéressant c'est si Venezuela t'est qu'à continuer produire propre pétrole là ou bien tout s'il t'est toujours des pays que t'est qu'à vendre pétrole leur exploiter. Mais malheureusement, ça pas possible à cause de sanctions qui interdit n'importe pays faire business avec Venezuela. Mais qu'on y a pour comprendre sanctions yo, pour qui ça sanctions ça yo exister et pour qui ça yo toujours utiliser. Sanctions yo yo pa gen l'autre objectif que forcer yon pays yon régime ou bien yon gouvernement fait yon bagay moi-même moi trouver ki nan intérêt mandel pour me faire ça me vle ya. C'est même gens yon professeur qui voyo al sou tableau al dit pour faire 2 plus 2 ou décider de pas praler professeur lui-même l'a utilisé force li gen qui c'est sanction pour punir ou parce qu'on pas vle aller ou bien tout pour forcer ou pour aller. Et c'est ça que fait Américains yo même yo lagué dans yon lutte pour changer gouvernement Venezuela et tout autant gouvernement pas changé pour yo gon l'autre politique qui wè bagay yo on l'autre façon Venezuela a continué souffrir et jusqu'ki bon moun sa yo prêt pour yo rive. Venezuela pas seul pays qui gen toute richesse sa yo et qui pauvre gon paquet l'autre pays en Afrique qui gen pile richesse tant kou République démocratique du Congo, Ghana, son paquet pays qui gagne pile pétrole, qui gagne pile l'or, qui gagne pile diamant, mais pays ça yo, yo toujours été pauvre parce que non seulement gagne un problème corruption, gagne un problème redistribution, gagne un problème tout un paquet d'autres gros pays qui a exploité pays ça yo à des fins que yo même yo jugé qui plus nécessaire pour yo et pays ça yo même yo pas jamais gagne aucune infrastructure qui pour permettre vraiment yo développer ou encore permettre que petit pays arrête vivre là tant pour gens richesse pays ça y a parti quitter pays là pour y a l'autre côté. On imagine que ou gagne un jardin ou gon bon terre qui ka fait bon poids Congo son exemple mais ou pas gagne matériel pour exploiter terre
ou pas même gagner ses mentions pour mettre dans terre. Mais bon l'autre monde lui-même qui débarquer avec matériel li, il débarquer avec technologie, il débarquer avec connaissance li, il dit bon, pas de problème ou gagner terre, mon pas faire rien avec. Moi même m'a fait tout ça me capable pour permettre ça à li faire manger, mais manger ça l'elle fait, m'a pas acheté le nom à tel prix et ou pas gagner droit pour venir avec l'autre monde. Et c'est exactement ça qui passe. Quand y a moi-même, si vous avez décidé un bonjour, ou dit ou pas vendre manger ça encore, m'a pris tout matériel, moi, m'a pris toute technologie et ou même ou a toujours été à richesse, ou a mourir sous lui. Est-ce que nous avons conclu pour nous dire, yon pays qui gagne pétrole ou bien qui gagne paquet l'autre richesse, c'est une malédiction liée pour pays ça. De toute façon, nous connaissons le monde là comment il fonctionne. C'est toujours plus gros qu'à peser plus petit. Et ça a existé depuis longtemps. Ni moi-même ni vous-même pas connaître jusqu'ici bon ça a privé. Et Venezuela pas seul pays qui a connaît situation difficile ça. Bon paquet notre pays et pays qui ont ti craspi intelligent yo, yo obligé accepter ak sa gros pays yo mandé pour yo faire parce que de pou pas accepter conséquence c'est ou capre. N'a pas passé tout de suite pour l'autre vidéo, mais espérez que vous avez un like sur la vidéo ça parce que c'est seul moyen pour encourager nous continuer à faire travail ça. Nous avons un business qui grandit et c'est ça qui fait nous créer un programme Caisse pour moi pour faire publicité pour business. Pas négliger d'entrer en contact avec nous sur promoacommercialcaissel.com ou bien écrire nous sur tout réseau Caisse pour moi. Nous avons bien content de participer à l'avancement business.